viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, que ma prière de votre célèbre monde lançant, il est là pour l'offrande du soir. Que ma prière devant toi célèbre comme l'encens, il est là pour l'offrande du soir. Seigneur, je t'appelle, vite viens à moi, écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, élève pour l'offrande du soir. Établis, Seigneur, une garde à ma touche, et veille sur la porte de mes lèvres. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et m'éleva pour l'offrande du soir. Gloire soit au Père et au Fils, et gloire au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Il se remet lui-même en vos mains, lui l'architecte, le maître de chantier, devient la pierre d'angle qui vous porte, pierre vivante et pain quotidien, pour qui la danse et la porte. Quelle ivresse du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte, Seigneur, de voir mourir les siens. Sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem, rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur.
passés par la tristesse, mais tu les as revus et leur cœur s'est réjoui. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. A choisi dans le Christ avant que le monde fût créé pour être
être saint et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. Par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. De la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Oh.
la miséricorde et non les sacrifices. Je suis venu appeler les pécheurs. Et maintenant, frères et sœurs, prenons appui sur la foi qui nous vient des apôtres et prions Dieu pour son peuple saint. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres. Fais de nous les témoins de sa résurrection. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, donne-nous d'annoncer l'Évangile. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang, fais de nous des instruments de paix. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie de ton royaume. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous